c'est genre comme des gaufrettes. Je trouve qu'on va goûter ça. On a choisi, c'est bon? Alors, est-ce que vous avez pris des offres? 5 Là, les 2 pour 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 euros, s'il vous plaît. Ah, parfait. Bah, du coup, avec, je vais juste vous prendre. Du coup, je vous prends 3 boîtes de mochi avec. Si vous plaît. Alors, lesquelles? Vous avez haricots rouges, thé vert, fraises, cacahuètes. Ah, cacahuètes déjà, s'il vous plaît. Bon, du coup les gars, on a acheté plein de trucs à manger, enfin des petits snacks et tout, que des trucs sucrés. Et genre il y a de la gelée et tout, on a trop hâte de goûter, mais d'abord on va manger. Par contre on sait pas du tout ce qu'on va manger et tout, on va regarder un peu s'il y a pas des trucs un peu original et tout, qui est pas du coup de notre culture et tout, ça va être trop cool. Bon, du coup les gars, j'ai trop faim, j'ai trop hâte de manger. Du coup en végé, il y a Nikon Udon. Je pense que je vais prendre ça. Bon, après j'aime pas trop le poivreau. Ah non, il y a bœuf, je suis bête. Ah oui, c'était oui, Soon Udon, ça a l'air trop bon, il y a des genre nouilles. Par contre j'aime pas du tout les poireaux. Mais par contre au full prix, ça me donne trop faim. Je me demande trop ce que c'est. Mais voilà, j'ai trop hâte. Voilà, moi je m'attendais pas à ce que ça soit froid, mais c'est froid. Donc, il y a genre des oudons et il y a genre du tofu frit, j'ai jamais goûté. On va goûter le tofu frit. C'est trop bon le tofu frit. Et les oudons, on va goûter. J'aurais jamais pensé à manger des oudons froids, mais franchement. Ils sont pas du tout caoutchouteux comparé à certains. Super bon. Et les oudons là, ils sont vraiment trop bons. Bon du coup les gars, on va faire une petite pause de nourriture. De toute façon je pense que tout ce qu'on a acheté on goûtera ce soir. Je vous ai pas tout montré en plus, mais la gelée, j'ai trop hâte de goûter de la gelée. Et du coup là on va faire un petit karaoké histoire de digérer. On va essayer de trouver des musiques en commun. Moi je connais pas grand chose, mais quand même j'ai trop hâte, ça va être trop cool. Et après on va prendre le goûter. Genre j'ai trop envie de manger les gaufres en poisson, ça a l'air trop bon. Et un bubble tea, je veux un bubble tea, c'est obligé. C'était hilarant, on a été trop gênés, mais c'était trop drôle. Et après on a fait la queue parce que je voulais trop jouer à Beat Saber, je voulais vraiment essayer de jouer à Beat Saber. J'avais déjà joué plein de fois, mais genre moi j'ai pas ce qu'il faut chez moi et tout. Et vraiment j'aime trop ce jeu, c'était trop cool. C'est le catch. Et du coup on va bientôt prendre le goûter et ça va être trop cool. Trop goûter, Anko, c'est haricots rouges et tout. Ça a l'air trop bon, même crème de matcha, ça a l'air trop bon, même crème yuzu, oh non, ça a l'air incroyable. Du coup les gars, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, j'ai pris un bubble tea, je pense qu'on n'entend rien de ce que j'ai filmé. J'ai déjà bu parce que j'avais trop soif, c'était fleur de sureau et genre les billes c'est myrtille et genre il est trop bon, mais vraiment il est trop bon. Et du coup pour le goûter on a pris des taiyaki. C'est des petites gaufres en forme de poisson. Moi j'ai pris Anko, c'est fourré aux haricots rouges. C'est hyper étonnant. Mais c'est super bon, genre. Vraiment, je veux regarder. C'est trop bon, je trouve. Thank you.
japonais, très identitaire. Mais en fait, les japonais en fait, vont découvrir le thé que dans les années 1200 après Jésus-Christ, en envoyant des moines qui vont apprendre le bouddhisme en Chine et qui vont revenir avec la tradition du thé broyé. L'origine du thé broyé en fait est chinoise. Néanmoins, après, en fait, les Japonais vont se l'approprier complètement et vraiment le codifier et en faire vraiment un travail très particulier. Et ça va ressembler plus trop, ça ressemblera plus trop à ce qui se faisait en Chine. De tous les trucs à manger qu'on a acheté et on va faire la petite dégustation. On est rentré chez moi d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. Et voilà, c'était trop cool. Donc voilà. Alors, un énorme sac. Alors, on a acheté des mochi à trois goûts différents. Trop belle la boîte. Ouais. Du coup, c'est des mochi à la cacahuète. Ça va, ils sont trop mignons. Kiwi. Genre c'est, en fait, je trouvais ça hyper intriguant et je voulais trop goûter des mochi intrigants que j'ai jamais goûté. Ouah. J'ai l'impression que je mange du gel douche. Du gel douche, ouais, je comprends. C'est trop cynique, genre. Banane. Mais ouais. C'est des mini. Regardez. Regardez, c'est trop mignon. Ça a le goût de bonbon à la banane. Ouais, moi j'aime pas ça, c'est pour ça que je disais ça. Tu peux l'enlever, hein. Tu peux ouais. Le garder. Bon, bah... Ça a mis qu'à moi. Ouais, moi j'ai que aimé... Ouais. Ah, ça m'a un peu dégoûté. En vrai, on a beaucoup de bonbons surtout. Ah, ça sera ça. C'est des bonbons à la pêche, acidulés. Regardez les bonbons. Ça pique pas, mais c'est grave les bonbons que j'aime, là. Ouais, c'est doux. C'est bon. Ah ouais. Alors, on a les mêmes choses, sauf que j'ai pris myrtille. Ça a l'air trop bon. Pareil, le petit truc. En plus, les sachets font zip. Trop bien. Ouf. C'est raisin plutôt, non? Ah, pardon, oui, c'est raisin. C'est bon, mais ça me fait penser à un parfum, genre. Ouais, je suis d'accord. La même chose. Un parfum en particulier d'ailleurs. Alors du coup on a acheté en mini parce que si on n'aime pas. Mini Kit Kat au latte matcha. D'ailleurs on a goûté un thé matcha. Un thé matcha. Ma caméra a coupé au plein milieu, je suis dégoûtée. C'est pour ça que du coup il y a un petit décalage que j'ai repris le reste à l'iPhone. Et en gros genre c'est le meilleur thé que j'ai goûté. Enfin, bon après il coûtait super cher et tout. C'est pas abordable pour moi et tout, mais bref, il était trop bon, genre il était pas amer et tout. Rien à voir avec celui que j'avais goûté dans mon dernier vlog d'ailleurs, que je vous mets dans le petit i. Et rien à voir du tout. C'était trop bon. Ça sent le matcha.
Bah, en vrai, c'est pas mauvais. Ah non, pas du tout. Hyper intrigant, genre. Ça ressemble à la fois à du chocolat blanc, mais en même temps, on sent que le thé, quoi. Ouais. En vrai, j'aimerais trop en manger. Du coup, là, on va goûter Kit Kat au melon. Pareil, je trouvais ça hyper intriguant, genre. Moi, j'aime bien. Moi, ça a le goût de l'odeur, mais... Moi, j'aime bien. C'est particulier, ouais. Du coup, le dernier Kit Kat, on a pris haricots rouges. C'est un peu genre une spécialité là-bas, sucrée. On s'est dit que c'était cool. Ah, ça sent les haricots rouges. Hein. Trop bien. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient blancs. J'aime pas trop. Ah ouais? Non. Alors, on va goûter le biscuit poisson. Et on a pris au thé thé citron, quoi. Un thé que moi j'adore, je buvais tant quand j'étais petite. En fait, ça ressemble un peu, vous savez, à ce qu'on a mangé au goûter tout à l'heure. C'est la même chose. Par contre, à quoi ça sert ça? C'est pas au petit poisson. Jusque là, c'est en gaufrette quoi. Par contre, la gaufrette, elle est super bonne. Ah, c'est un peu acidulé à la fin. Goûte la gaufre My Hero Academia. Regardez, on a acheté ça. Et apparemment, dedans, il y a des cartes. Du coup, c'est une gaufre comme ça. Je sais même pas à quoi c'est en fait. Peut-être que c'est au chocolat. C'est trop trop bon, j'aime trop. Ouais. Voici ma petite carte. C'est un stickers. Avec le scotch. Oui. Je tire du scotch par ses bras. C'est trop bon la gaufre. Et moi, qu'est-ce que je peux manger, maman? M'a rien acheté. Du coup, les gars, on a acheté de la gelée avec Nymphalie. Et on sait même pas quel goût c'est. J'ai jamais mangé de gelée. C'est quoi? Il y a des morceaux. Oui, t'avais pas goûté. J'ai eu que du jus. Ah, mais non, c'est. Ah, faut appuyer. Ah, c'est spécial, hein. J'arrive pas à avaler la gelée, j'ai que du jus. Je vois. En fait, je trouve ça genre bizarre, la gelée en elle-même, en fait. Bon, sur ce, les gars, je vais arrêter le petit vlog ici. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai pas montré beaucoup de choses de la convention. Mais du coup, moi, sur les réseaux, j'essaye de pas montrer trop de personnes qui veulent pas, ou etc. Donc, c'est compliqué de filmer dans des événements comme ça parce que j'ai pas envie de mettre des gens sur les réseaux sociaux et qui ont pas forcément envie d'y figurer, même si voilà, il y a des gens forcément qu'on voit une ou deux secondes, mais je fais toujours un peu attention. Et je voulais vraiment surtout vous montrer la nourriture et je trouvais ça cool de vous montrer un peu ce qu'on allait manger aujourd'hui. Du coup, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et du coup je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.